faire, hein. Bien sûr. Bon, on est bon, le premier ministre, je peux t'avouer. La date du lundi 12 août 2013 est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire politique contemporaine du Mali. Ce grand jour qui a vu les candidats vaincus du scrutin du 11 août dernier, Soumaïla Cissé, se déplacer et aller féliciter son challenger Ibrahim Boubacar Keïta, le vainqueur, jusqu'à son domicile, ça c'est un symbole fort pour la démocratie malienne. La déclaration de Soumaïla, je trouve ça très positif parce que ça permet aux Maliens de se réconcilier et c'était aux deux candidats de montrer le chemin de la réconciliation.